Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo qui a pour titre Les clés du changement. Je suis avec Fanny Crespe et Anne-Marie. Bonjour, vous allez Bonjour, bien? bonjour, Ça ouais. va? Ça se passe bien? Bon, Ça va, on a tout une va bien, petite on a tisane l'accent, pour se ça va. détendre, hein, déstressante, comme c'est la première vidéo. Alors, Fanny est coordinatrice de projet dans l'économie sociale et solidaire, et spécialisée en management des coopératives humaines. Coopération humaine. Coopérations humaines, merci. Alors je trouve ça vraiment que ça sonne très vraiment très bien, surtout en ce moment, les coopérations humaines. Et d'ailleurs, ça va être son témoignage. Elle va nous expliquer un petit peu quelles sont les formes de coopérations humaines qui existent, quel impact ça va avoir sur la société et au sorti dans notre vie personnelle aussi. Donc ce sera plutôt Anne-Marie qui va nous expliquer un petit peu tout à l'heure hein, les impacts que ça a sur la vie personnelle. Alors avant de commencer. Ton témoignage, avant de t'écouter, je tenais quand même à signaler que Fanny, on est amis depuis pas mal d'années, que c'est elle qui m'a lancé en fait un petit peu dans le monde de l'économie sociale et solidaire, hein, m'a fait connaître cet univers-là, qui a vraiment changé beaucoup ma vie. Ça m'a donné beaucoup plus de valeur dans ce que je fais, dans mes propres valeurs, mes propres croyances aussi. Et je tenais à t'en remercier déjà. Et c'est même pour ça que dans cette première vidéo, donc cette toute première vidéo, tu vois, ce sera donc tu es ma toute première invitée. Voilà. Très bien, Voilà. j'en suis ravie et je te Bon, remercie. de rien, ça me fait très plaisir. C'était normal, c'était logique. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, alors je m'appelle Fanny, comme l'a souligné Paul. Donc moi j'habite Compiègne depuis 2001. Avant j'étais parisienne. J'ai un parcours non linéaire. J'insiste sur ce point-là, parce que plus ça va, plus on rencontre, en fait, et notamment dans la corderie, des personnes qui ont des parcours non linéaires, c'est-à-dire qui n'ont pas fait des études rectilignes, en tout cas, et qui se sont cherchées. Et c'est à travers ce genre de parcours que, en tout cas, moi, je rencontre toujours des personnes très riches. Voilà. Donc moi j'ai fait des études de ressources humaines dans le milieu de la gestion des ressources humaines au départ. Donc un bac plus 5, à l'époque ça s'appelait un DESS, dans ce milieu-là. Et très vite quand j'en suis sortie, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne pourrai jamais travailler dans les ressources humaines. En tout cas, il y avait un secteur éventuellement dans lequel je me sentais à l'aise, c'était la formation ou la communication, mais certainement pas en tout cas la gestion purement administrative et la gestion de carrière. Attends, dans ressources humaines, il y a quand même humaine, quoi. C'est ça, Hein? mais à la limite, je me serais sentie plus Ouais. à l'aise à l'époque si on avait parlé de richesses humaines. Donc Voilà. maintenant, on en parle effectivement, mais ça On commence, c'était il hein. y a très longtemps, on parlait encore de ressources humaines ça me chagrinait un petit peu la façon dont c'était abordé dans le privé en tout cas. Donc, dès l'instant où je suis sortie de ce parcours-là, je me suis posé la question de quelle pourrait être mon implication en fait dans une activité une activité qui soit plus sociale, à vocation sociale. J'ai pas trouvé immédiatement effectivement comment m'insérer professionnellement dans ce secteur-là, mais par contre j'avais l'intuition que c'était donc quelque chose de plus social que j'allais m'épanouir. Et puis finalement, chemin faisant, d'expérience professionnelle en expérience professionnelle, parce qu'il fallait bien gagner sa vie aussi, de toute façon, je suis retombée sur mes pattes. Me voilà aujourd'hui, effectivement, salariée et en coordination et animatrice d'une structure qui a vraiment une vocation sociale et un sens fort. Tu as trouvé les chaussures à ton pied. Tout à fait. Super, beau Donc, parcours. voilà. C'est long, mais Voilà. en même temps, c'est nouveau aussi Voilà, tout l'économie à fait. sociale. C'est Tout à pas fait. très très vieux. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, alors qu'est-ce que pour toi les coopérations humaines? Alors, je pense que tu poses la question parce que, donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais parce que sur les réseaux sociaux, puisque comme tout le monde, lorsqu'on a un CV en ligne sur les réseaux sociaux, j'indique que j'étais consultante et que j'ai une formation sur cette thématique-là, donc sur le management des coopérations humaines. Alors, ça paraît assez abscon. Je vois Anne-Marie qui se demande ce que c'est. Alors, c'est une formation que j'ai faite à l'UTC, justement, donc à Compiègne, en 2009. En fait, je suis certifiée à une méthode en fait, d'accompagnement
de structures. Donc je peux accompagner tout type de structures, qu'elles soient associatives, privées. D'accord. Sur les questions en fait, de management des coopérations humaines, je m'explique, c'est comment gérer un projet de A à Z qui fait intervenir une multitude de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, privés, associatifs, des adhérents, qui sont des citoyens, et qui veulent converger vers un même projet en fait, en coopération, mais qui n'ont pas forcément les mêmes freins, les mêmes attentes. Et donc c'est une technique en fait de recueil de données et d'animation de groupe qui permet de faire émerger le but commun vers lequel l'ensemble des partenaires veulent aller, de manière assez créative d'ailleurs. Mmh. Donc on appelle ça des ateliers de créativité. Donc c'est une sorte de gros brainstorming qui permet à chacun d'exprimer ses peurs, ses attraits, ses tentations vers le projet qui est en train de se construire. Donc on prend en compte en fait toutes les parties prenantes, on leur demande d'exprimer exactement quelle est leur vision individuelle du projet vers lequel ils vont aller. Donc ça s'exprime sous la forme d'un jeu de rôle en fait. Donc chacun prend la place petit à petit des autres parties aussi, pour s'imaginer quelles peuvent être les représentations qu'ont les autres du projet. Et le but final, c'est de construire une représentation commune de ce vers quoi on veut aller. D'accord. Voilà, les coopérations. C'est comme ça que vous élaborez un petit peu le projet aussi de l'associatif aussi, ou alors c'est... Oui, c'est un petit peu comme ça que le projet des accorderies sont censés fonctionner. D'accord. C'est la prise en compte en fait des attentes en fait de chacun, des besoins de chacun, besoin de service, ou besoin de créer du lien, de se retrouver, de partager et de coopérer. Et on construit ce faisant en échangeant au sein de l'accorderie une vision commune de ce qu'est l'accorderie, et l'accorderie va prendre corps à travers toutes les visions individuelles aussi que chacun s'en fait. Donc par agrégation en fait, tout le monde en fait apporte sa pierre à l'édifice et construit ce que deviendra l'accorderie, qui est en devenir permanent en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est dans un état, demain ou dans 3 semaines elle sera à un autre niveau. C'est une entité vivante quelque part qui évolue. Ça. Comme c'est un organisme. Un c'est petit ça. Peu. C'est vraiment intéressant. Une entité dynamique, je pense, parce qu'elle est construite d'hommes et de femmes. En prenant en considération les besoins et les personnalités de chacun. Exactement. C'est vraiment, donc ça s'auto-construit en fait en permanence. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner en fait, et de ne pas faire à la place non plus des personnes, d'accompagner et de coordonner. Voilà, ce processus, cette belle dynamique humaine. Sacré métier, hein, parce que disons, ça englobe beaucoup de choses quand même. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment passionnant. Hein. Du coup, donc, on a Anne-Marie qui est accordeuse à l'association, qui est une membre active, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, Anne-Marie, comment avez-vous connu, l'association? Ouais. Tout simplement par le journal de la ville, un article qui présentait l'accorderie. C'était l'année dernière, à peu près à cette époque-là d'ailleurs. Et puis j'ai dit, tiens, c'est intéressant ça, c'est une bonne initiative en fait, parce que moi je suis toujours ouverte à la relation avec les autres. D'accord. Je communique facilement. Et donc, j'ai un certain don pour communiquer avec un ensemble de personnes qui soient tout à fait différentes de tout milieu, quelles que soient les situations. Et donc, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, ce fait d'échange, et que ce soit gratuit. L'échange gratuit, qu'il n'y a pas à payer quelque chose, et que être mis en relation avec des personnes sur des choses toutes simples, quoi, en fait. Et donc, je m'étais dit, j'avais mis le journal de côté, puis je l'ai fait tomber, la fin d'année est arrivée, puis en début d'année, je me suis dit, mais tiens, il faudrait que je refasse peut-être quelque chose, que je vois si dans mon emploi du temps, comment je peux m'organiser pour faire... Et puis, j'ai repris le journal, et puis je me suis pas inscrite tout de suite, mais j'ai dû m'inscrire en tout début d'année de cette année. Voilà. Alors, et puis très vite, voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, comme on parle de l'accorderie, comme on a embrayé là-dessus, alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne, pas le fonctionnement, parce que tu nous as déjà expliqué un petit peu, mais par rapport aux échanges de services, enfin tout ce fonctionnement-là, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
D'accord. Est-ce que tu veux que j'explique aussi d'où vient... Ah oui, bien sûr, l'histoire de la corderie. Donc, en quelques mots, parce que j'ai tendance à ne pas être synthétique, donc vous m'excuserez. Non, mais c'est tellement passionnant en même temps. C'est ça. Donc, la corderie, c'est née à Québec, dans les années 80-85. Alors, c'était un groupe en fait, d'amis qui avaient l'habitude de se rendre service entre eux et qui, pour la plupart, en fait, travaillaient dans la musique. Et donc ils réparaient des cordes ou ils accordaient D'accord. des pianos. Ah, non. Voilà. Et en plus, alors je ne saurais pas vous le refaire avec l'accent québécois, mais ça donnait. Ah, ils caribou. Ont commencé à parler d'accorderie entre eux et d'accord. de trouver des accords entre eux. Et puis ils ont trouvé le système d'échange tellement bénéfique pour chacun qu'ils ont eu l'idée de monter une association qui essaime et qui diffuse en fait ce dont elle était porteur. Donc un système en fait d'échange de services entièrement gratuit. Entre les personnes de tous horizons, de toutes catégories sociales et professionnelles. Et voilà, donc à Québec, ça a grandi comme ça. Il y a environ une centaine, entre 100 et 200 accorderies à Québec. Donc il y en a un peu dans chaque pâté de maison. C'est un petit territoire en plus, hein, quand même. C'est ça. Donc ça, il y en a un peu dans chaque quartier. Mmh. Donc, dans chaque quartier, tu peux aller dans ton accorderie pour échanger, recevoir des services, en rendre à nouveau de manière réciproque. Et en France, c'est arrivé par le biais de la Fondation Massif en 2011. Entre 2011 et 2012, la Fondation Massif a trouvé ce projet innovant socialement et a eu le projet en fait, de l'importer au niveau du concept en France. Donc en fait, toute association en France peut demander à être agréée par le Réseau National des Accorderies. Donc nous, notre association à Compiègne s'appelle Les Accordeurs de Compiègne. Et on est agréé par un réseau national qui regroupe l'ensemble des accorderies en France. Donc au jour d'aujourd'hui, on est entre 33 et 39 accorderies ayant le label accorderie de France. Et à la fin de l'année 2017, on y est presque, on avoisinera les 40. Donc d'accord. C'est en train de... C'est un type d'association qui agit sur un territoire avec les propres spécificités du territoire, mais qui est effectivement fédérée au sein d'un réseau national. Qui nous donne accès à un certain nombre de services mutualisés, notamment en termes de communication. On a des plaquettes qui sont plus ou moins déjà toutes faites. On personnalise évidemment avec le nom de Compiègne et les spécificités du territoire. On a également accès à une grosse base de données qui nous permet de gérer les demandes de services, les offres de services, de mettre en contact les gens. Voilà un petit peu pour l'historique. Ah, donc, du coup, comment fonctionne les offres de services alors? Alors, à la corderie, en fait, il y a trois types d'échanges de services qui sont possibles. Donc, des échanges de services entre personnes. Donc, Paul échange un service avec Anne-Marie. Donc ça, c'est un échange individuel. Donc Paul, par exemple, n'importe quoi, va garder le chien, va garder Charlotte, donc la chienne d'Anne-Marie, sur une période donnée, parce qu'elle a un besoin spécifique à un moment donné. Donc il va lui rendre, mettons, 2 heures de service sur la garde d'animaux. En échange, Anne-Marie, donc Paul recevra donc 2 heures de service sur son compte d'accordeur, donc d'adhérent à la corderie. Et en échange, Anne-Marie devra remettre dans le pot commun, dans le système commun, 2 heures de service. Donc par quart d'heure, comme elle le veut, soit elle remettra d'entrée de jeu 2 heures de service en faisant un atelier ou en offrant un service à quelqu'un d'autre. Alors elle peut aussi le rendre en direct à Paul, mais c'est pas nécessaire que ça soit bilatéral. C'est vraiment une remise au pot commun, en fait... du service échangé. C'est vraiment ce qui est intéressant parce qu'il existe déjà ce genre de structure, même avant, hein, à une certaine époque, il y avait beaucoup d'échanges de services entre personnes. Hein, et encore aujourd'hui, j'en parlais avec un ami qui est bien plus âgé que moi, et il me disait, bon, on a toujours fait des choses comme ça, on a toujours entre amis échangé des services. Sauf que oui, un service à un ami, il fallait le rendre après un service à tel ami. Alors que là, dans la corderie, c'est encore différent. C'est un pot commun. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé. Du coup, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre, en fait, pour pouvoir gérer son temps. C'est la différence que, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans la corderie et qui plaît beaucoup quand on en parle, hein, quand on diffuse un petit peu, quand on en parle un petit peu de cette association-là. Et c'est vraiment ce qui plaît beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, alors, Marie,
Oui, vous avez rencontré des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées par ailleurs. Voilà. C'est ça. Et sur tout ça. Et sur il y a aussi donc un échange, c'est un lieu de rencontre aussi, un lieu social aussi. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Oui. C'est pas forcément que les échanges de services, quoi, en fait. Il y a aussi, ça va au-delà de ça. Oui, voilà. Je pense que même à terme, quand on, il y a des, là, sur certains ateliers, on retrouve quelques personnes, et même, j'ai vu qu'il se crée même un lien d'amitié, de complicité avec certaines personnes. D'accord. Donc, déjà, donc on voit déjà que même personnellement, ça vous change aussi, ça améliore aussi votre qualité de vie, ça vous, ça vous fait du bien, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et alors, du coup, vous faites quoi dans la corderie Bon, moi, j'étais beaucoup demandeuse au départ. Et puis, je me dis, je vais avoir utilisé tout mon crédit. Ouais. Je paniquais un petit peu, je vois comment ça va faire, tout ça. Puis, Fanny me dit, ne t'inquiète pas, on peut élargir. Et puis, en fait, après, j'ai eu l'idée de moi lancer, réfléchir, parce qu'au départ, c'est très difficile de voir ce qu'on peut offrir, en fait. Moi, j'ai modifié, d'ailleurs, dans le cours, j'ai modifié mes propositions. Parce que c'est vrai, au départ, on ne sait pas ce qu'on peut attendre. Alors, moi, j'avais dit, bon, du bricolage, c'est bateau, tout le monde demande ça. Et puis, moi, donner, je ne voyais pas tellement ce que je pouvais donner. Puis, j'avais dit, bon, carte d'animaux, parce que j'avais un chien, donc on pense à ça. Et puis là, j'ai évolué, et cet été, j'avais cherché un peu, regardé un peu tout ce que les gens demandaient, et j'avais contacté une personne qui demandait d'apprendre à faire un peu de parler français. Donc j'avais contacté, on avait fait un échange. Et puis, moi j'avais demandé de la musique, et j'avais... Et Elodie, elle venait, lorsqu'elle s'est inscrite, elle n'attendait pas, elle a cherché, elle a fait comme moi, et tout de suite elle est tombée sur moi parce qu'elle m'a demandé le solfège. D'accord. Et là, Elodie a lancé son atelier chant, qui est très dynamique, demain, le premier samedi du mois. Oui, donc en service individuel, Anne-Marie a échangé donc des cours de solfège qu'elle a reçus. Ouais. En échange, elle a effectivement aidé des personnes qui parlaient pas bien français à communiquer en français. Ah, d'accord. Donc vous arrivez toujours à trouver, même pour les personnes qui n'ont pas forcément de savoir en fait, de savoir-faire aussi, vous arrivez toujours à trouver quelque chose qu'on a tous. On pense après ça évolue par rapport à la situation, mais il faut regarder un peu les demandes aussi, et puis être ouverte, faut interroger le site, faut regarder ce qui se passe aussi, parce qu'à ce moment-là on s'inspire des autres aussi, en fait, En fait, ce qui se passe à la corderie et qui est vraiment au cœur en fait de l'esprit de la corderie, c'est que il n'y a pas de hiérarchie entre les services. D'accord. C'est-à-dire qu'un service de type service à la personne, garder un animal, vaut autant qu'un service qui demande un peu plus de compétences techniques, un cours de russe, un cours d'anglais ou un cours de chant, par exemple. On ne mesure pas du tout la compétence qui est requise pour rendre le service. Donc, il y a un principe d'égalité, en fait, entre les personnes qui échangent. Donc, on peut très bien. J'ai jamais eu de contestation là-dessus. Non, pas personne. Du tout. Justement, on met tous notre ego de côté. C'est ça qui fédère en fait les gens et qui crée en fait en soi, je pense. Hein, après, ça, c'est mon œil de sociologue, je pense, mais c'est ça qui crée une confiance en fait naturelle et spontanée entre les personnes. Parce qu'en fait, on est tous sur un même pied d'égalité. Il y a une mixité sociale très forte et qui est voulue par les accorderies, qui de fait sur le territoire commence vraiment à se voir. Anne-Marie rencontre des jeunes, rencontre des moins jeunes, il y a des gens qui sont sans emploi qui en rencontrent, qui eux ont un emploi, donc ça crée le système d'échange d'heures et de comptabilisation des heures, comme l'a bien fait remarquer Anne-Marie, est un prétexte clairement à créer du lien entre les gens et de la solidarité. Donc on a besoin quand même, bien sûr, de comptabiliser en fait ces échanges et ces transactions. Alors, transaction, ça peut paraître un gros mot, mais c'est un échange d'heures pour montrer que la corderie vit et après aller chercher les financements et les soutiens financiers qui vont bien, quoi. D'accord. Auprès des institutions ou auprès des entreprises privées. Mais clairement, le but premier, c'est de créer du lien entre les gens
de permettre à des gens de se faire un réseau amical, social, professionnel. Et puis ça marche. C'est super. C'est tonnerre de Zeus. Vraiment super. Donc ça veut dire que ça a un impact quand même sur notre société actuellement. Oui. Ça bouge quand même, ça casse un petit peu tous les dogmes, toutes les... Ça casse les codes. Hein. Les codes en fait, tout ce qu'il peut y avoir. C'est vraiment intéressant. Oui. Et voilà. Du coup, tu as parlé des partenaires sociaux, enfin des partenaires économiques, oui. C'est ça oui. Mais comment ça fonctionne? Alors pourquoi des partenaires économiques? Parce que c'est peut-être un peu le principe de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais que tu nous en dises plus là-dessus. Alors, dans l'économie sociale et solidaire, en fait, qui est un secteur d'activité à part entière, hein, un secteur économique, comme son nom l'indique, il y a différents types de structures qui y travaillent et qui sont implantées. Donc, il y a des structures privées, type SARL, SAS. On retrouve aussi tout ce qui est société coopérative, des SCOP, ou des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt commercial. Donc ça, c'est le volet privé, donc avec des échanges de produits et de services financiers. On a aussi les structures qui sont des associations d'insertion ou les entreprises d'insertion, donc les AI et les EI, comme ça qu'on les appelle dans le jargon, qui échangent pareil des produits et des services à titre commercial. Et puis on a des structures purement associative, comme la corderie, qui elle n'est pas inscrite s'inscrit clairement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais ne génère pas de flux financier. En fait, c'est un autre type d'échange, un autre type de valeur qui est échangée. Donc le covoiturage, par exemple, est exactement au même titre un système qui est inscrit dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas d'échange d'argent, il y a un échange de services. D'accord. Tous les systèmes de troc ou d'échange de savoir qu'on peut retrouver dans les réseaux d'échange réciproque des savoirs sont inscrits également dans ce secteur d'activité-là. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'économie collaborative ou partage? Oui, alors... Du coup, parce qu'il y a une différence entre les deux. Parce que dans l'économie sociale et solidaire, on entend qu'il y a un niveau quand même économique, mais avec l'économie de collaborative ou de partage, quelle est la différence et... Alors, la différence de ce que j'en sais, hein, je répète ce que je t'ai dit, je ne suis pas économiste non plus, mais c'est effectivement... C'est un fonctionnement, en fait, hein, vraiment concrètement. C'est effectivement s'il y a un flux financier ou pas qui sous-tend l'activité. Donc, c'est-à-dire un échange financier entre les personnes. Donc, par exemple, je prends un exemple qui est Airbnb, d'accord, la location en fait, d'hébergement... Oui. Entre particuliers, il y a clairement un échange d'argent derrière. Donc, il y a les structures et les organisations comme Airbnb ou Uber qui sont calquées en fait sur des modèles économiques et qui calquent en fait un modèle économique standard et classique, mais avec un principe quand même d'échange et de partage entre les gens. Mais il reste en fait calqué sur un modèle d'entreprise économique. Oui. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les structures qui développent un modèle alternatif, où là, on ne retrouve pas d'échange financier, comme D'accord. à la corderie par exemple. D'accord. Moi, c'est la différence que je ferais entre économie sociale et solidaire, qui est en fait le grand secteur d'activité, dans lequel on retrouve de l'économie pure, hein, mais avec souvent donc, ces structures qui en font partie ont une vocation sociale quand même. Par exemple, les entreprises d'insertion embauchent les personnes qui sont en parcours d'insertion. D'accord. C'est un exemple. Donc elles ont quand même, elles redistribuent quelque chose de manière sociale en fait sur le territoire. Le sens social est beaucoup plus fort que dans l'économie collaborative. C'est ça. Dans partage. Le modèle de construction, D'accord. elles prennent en compte en fait leur impact sur le territoire auprès des populations en externe, leurs clients, ou en interne, leurs salariés par exemple. Mmh. Donc, nous, c'est encore autre chose, puisqu'il n'y a pas de système d'échange monétaire entre accordeurs. C'est la gratuité qui prime avant tout. Donc, bien entendu, ça suppose qu'il faille aller chercher et trouver des financements, et que ces financements soient pérennes, et en tout cas qu'il y ait un investissement des entreprises qu'on va aller démarcher prochainement, justement, pour... faire du mécénat, par exemple, et soutenir ces initiatives qui peuvent rendre service à leurs propres salariés, par exemple. Alors, du coup, ces entreprises privées qui font ces mécènes, est-ce que, comment voient-ils l'économie sociale et solidaire? Est-ce que,
Est-ce qu'ils y trouvent leur intérêt aussi? Parce que l'entreprise doit y trouver son intérêt aussi personnel. Comment font-elles pour financer ça? Et quelle est l'image qu'elles ont en fait? Est-ce qu'elles connaissent déjà? Est-ce que c'est connu déjà? Est-ce que l'économie sociale est solidaire? Alors ça commence à l'être davantage qu'il y a, on va dire, en 2009, où là c'était effectivement la période de croissance la plus forte, on va dire, pour ce secteur d'activité-là. Les entreprises privées, les grosses entreprises privées, hein, industrielles ou non, commencent à s'intéresser à la question. Je dirais, on peut regretter qu'elle s'y intéresse d'un point de vue éthique, certes, mais parce que maintenant, il existe en fait une norme à laquelle elles sont censées répondre. Donc pour les grosses structures, hein, je prends l'exemple d'une grosse société qui est implantée sur le territoire, par exemple Sanofi ou Plastic oui. Omnium ou Leroy Merlin. Ce sont des grosses structures, même des antennes en fait. De holding, etc., commence à s'intéresser à ce secteur-là parce que, quelque part, elles y trouvent un intérêt pour leurs salariés et un intérêt éthique parce qu'elles doivent répondre également à une norme qui s'appelle la norme ISO 26000. Donc, pour la plupart, elles ont cette obligation-là d'indiquer, en fait, dans leur rapport annuel comment elles s'impliquent, en fait, au niveau du territoire sur lequel elles sont ancrées, au niveau social. D'accord. Donc ça peut être bien expliqué qu'elles prennent en stage des élèves de 3e, ou des élèves de BTS, ou qu'elles prennent des services civiques en interne. Ça, c'est en interne comment elles redistribuent les choses et comment éthiquement elles sont ancrées sur le territoire. Mais ça peut être aussi soutenir des initiatives en local. Et après, elles peuvent effectivement montrer qu'elles sont en lien avec des initiatives locales et le faire valoir en fait dans leur rapport de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Leur rapport RSE. Donc, avantages et inconvénients, effectivement, elles y sont contraintes, donc elles y sont venues. C'est très ténu hein, comme limite. Ouais. Est-ce qu'elles s'investissent là-dedans parce qu'elles y sont contraintes et que c'est la mode, on pourrait se demander, de répondre à ces obligations-là? Ou est-ce que vraiment il y a une prise de conscience éthique de la part des entreprises? Bonne question. Je pense que la question est ouverte. Tout dépend beaucoup des personnes aussi dans les entreprises. Est-ce qu'elles sont elles-mêmes ouvertes oui. à ces questions-là? Donc de plus en plus, la réponse est oui. Donc voilà, chemin faisant. On en parle de plus en plus, mais pas tant que ça. En fait, dans les grands médias, c'est encore difficile. Il n'y a pas autant de pubs pour publicité, il n'y en a pas beaucoup. Et après, quand tu dis que les entreprises sont obligées par rapport à cette norme-là, je connais des entreprises qui ont aussi, ils sont contraintes et qui ne l'appliquent pas c'est du ça, tout. C'est ça, c'est une obligation qui peut valoriser, on va dire, en termes de communication et en termes d'ancrage territorial, voilà. leur action. Après, évidemment, il n'y a pas de contrôle et de flicage sur ce genre d'impact et d'engagement, on va dire. C'est vraiment, il faut qu'il y ait... Alors, il y a des sociétés qui sont pleinement ancrées sur ces secteurs-là, par exemple des banques, ouais. le Crédit Coopératif, oui. Ah, oui. donc qui sont vraiment ancrées sur ces thématiques-là et qui soutiennent des projets, justement... qui œuvrent dans ce sens-là, donc là c'est encore différent. Mais oui, les sociétés ne sont pas encore obligées légalement, avec un contrôle derrière, de rendre compte de leur investissement dans ce domaine. Peut-être après, que c'est mieux comme ça aussi, comme ça on peut aussi mesurer leur vraie volonté de faire avancer les choses aussi. C'est peut-être aussi pour leur propre image, c'est intéressant c'est pour leur propre image de marque. C'est ça. Mais quelque part aussi, s'il n'y a pas d'obligation, c'est mieux aussi quelque part. C'est ça. Voilà, on va pas mettre oui, de couteau sous la gorge d'une entreprise pour qu'elle puisse investir là-dedans. Encore mais que ce soit d'elle-même, mais au moins, voilà, ça apporte plus de valeur à leur démarche. C'est ça. Et aussi à l'association sur laquelle subventionne, enfin, qu'elle les aide. Donc c'est beaucoup mieux. Et je pense que c'est comme ça que les choses changeront aussi petit à petit. Lorsqu'on force une personne sous la contrainte à faire des choses qui ne lui plaisent pas, on ne sent pas vraiment la motivation et ça sera mal fait. Il n'y a pas de sens. Ouais, il n'y a pas de sens, ça sera mal fait, on ne se sentira pas vraiment. Et là, tu vois la motivation, tu vois au niveau. Est-ce que les entreprises, les personnes qui prennent en charge cette dimension-là dans les entreprises, qui s'occupent de ça, est-ce que tu sens vraiment qu'elles ont une éthique personnelle ou, c'est quoi comme genre de personnes que tu rencontres? C'est les directeurs? Alors, alors ça dépend de la taille de la structure. Si on prend vraiment l'exemple d'une grosse structure comme Sanofi, je le citais tout à l'heure, on a fait des permanences
pour permettre des permanences d'information et d'inscription, pour permettre aux salariés de s'inscrire et de connaître la corderie, s'inscrire à la corderie et puis connaître aussi. Ça a eu un franc succès et clairement on est rentré par, par la DRH en fait, et la responsable de la com, qui en fait était intéressée par la démarche de la corderie et qui a trouvé que ça valait le coup de faire connaître ça au sein de la société. Auprès des salariés quoi. Il y avait déjà une éthique personnelle de la DRH aussi quelque part. Tout à fait. Des valeurs personnelles. Il vaut mieux effectivement quand on rentre en contact avec des entreprises qu'elles soient déjà effectivement ouvertes d'accord. à ce genre de questions, autrement. C'est vraiment intéressant parce que du coup alors et les salariés par eux-mêmes. Alors les salariés, en tout cas ceux qu'on a rencontrés puisque là on est vraiment au démarrage du démarchage au niveau des entreprises privées. Les salariés ont accueilli le projet de manière très positive. C'était souvent sous l'effet de la surprise. Il y avait souvent une surprise. Ah bon, ouais, ouais. En général, il y en avait peu qui en avaient entendu parler et qui avaient des réactions diverses du type « Ah bon, à Compiègne, il existe quelque chose comme ça mm-hmm. ?» Ça, c'était plutôt amusant, mais c'est pas pour rien, je pense, qu'on a eu ce genre de réaction parce que... Compiègne, c'est de fait, sociologiquement parlant, en fait, habité par des gens, beaucoup de gens qui ne travaillent pas à Compiègne, qui partent à Paris. Donc ça, c'est un petit avis personnel. J'essaie de savoir quel est le type de personnes qui sont investies à la corderie, pourquoi elles s'y investissent. Alors, on va faire un petit questionnaire d'ailleurs là-dessus prochainement, je pense. Mais Compiègne, du coup, ce sont des gens qui partent à Paris travailler, qui reviennent donc métro, boulot, dodo, et qui ne s'investissent pas forcément, du coup, qui habitent Compiègne, mais qui ne l'habitent pas pleinement au sens figuré, parfois. Donc c'est en train un petit peu de changer, mais donc la corderie, ça peut permettre à des gens qui sont pas forcément ancrés sur le territoire socialement, bah, de s'ancrer vraiment, et de, voilà, de ne pas y habiter que de manière résidentielle. C'est et de s'investir dans des projets locaux. Quoi. Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. D'accord. Pourquoi à Compiègne, effectivement, alors qu'à Paris, ce genre d'initiative est plus répandu, les gens sont plus ouverts. Déjà, ouais. Les gens sont plus ouverts pareil. À ça. Mmh. Je pense que c'est... Alors qu'on n'est pas loin de Paris, hein, quand même. Hein, on est à 80 km de Paris. Donc, non, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est pas la même activité, mais quand même, il y a des villes autour de Paris aussi qui sont beaucoup plus actives que Compiègne aussi. C'est vrai que ça a pris du temps quand même. Il y a pas beaucoup de. J'ai toujours regretté ça pendant un long moment qu'à Compiègne, il n'y ait pas assez d'initiatives comme celle-ci. Maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus, tout doucement. C'est encore un peu frileux quand même, quoi. C'est étrange, hein, en même temps. Parce que je pense qu'au niveau mixité sociale, on a tout à Compiègne, quoi. Et c'est vraiment. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. À Compiègne, il y a énormément d'associations. C'est ça. Il y en a beaucoup. Il y a plein d'associations, mais qui, effectivement, sont nous aussi, hein, qui sont en fait un peu le nez dans leur guidon, voilà, et qui travaillent en fait leurs activités, leur dynamisme en fait un peu fermé sur elles-mêmes. Et donc, ça c'est intéressant. Ils communiquent pas assez à l'extérieur en fait. C'est ça. Moi, c'est un peu l'impression, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. Ça fait je suis natif de Compiègne, j'ai jamais eu vraiment. La corderie, vraiment, c'est vrai que vous avez vraiment une politique, c'est pas de la propagande, hein, je veux pas dire ça, mais au moment où vous faites connaître, quoi, vous allez de l'avant, vous vous montrez. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez vous, c'est que vous allez vers les autres associations. Vous créez des partenariats qui sont vraiment intéressants. Moi, je trouve ça vraiment super. Oui. Parce que je suis membre aussi de la corderie, hein. Je vais vous le dire au passage. Tu as oublié de dire dès le départ. Non, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer, malheureusement, parce que j'ai mon blog et mon travail qui me prend du temps. Mais justement, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, parce que c'est aussi ma contribution aussi pour la corderie, que je trouve vraiment géniale. Donc, premièrement, des accorderies, il y en a partout, beaucoup, oui. Il y en a de plus en plus. On va revenir à ce qu'on disait avant, mais voilà, il y en a déjà partout, donc c'est vraiment important au niveau local, enfin au niveau national. Et donc, du coup, on disait par rapport au partenariat que vous faites avec les associations, ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que moi j'ai connu des associations que je ne connaissais pas du tout, grâce, en plus, c'est vraiment des superbes associations qui ont vraiment. Une éthique et des valeurs, qui donnent du sens, des valeurs fortes, qui ont vraiment un sens très fort. Et c'est grâce à la corderie qu'on les découvre. Et ça, c'est vraiment super, je trouve. Enfin, je sais pas si Anne-Marie, ce qu'elle en pense, parce qu'elle est beaucoup plus active que moi. C'est vrai que tu connais... Oui, puis je voulais souligner aussi, c'est qu'on a aussi des échanges avec les autres accorderies. Par exemple, je reviens de Paris, j'étais chez des amis, j'ai rencontré une personne de l'accorderie du 14e qui était venue en visite à Compiègne cet été.
Donc on avait accueilli qui était très heureux de le chaleureux accueil de la corderie dynamique de Compiègne, parce que apparemment à Paris 14e, c'est une corderie vieillissante où ils s'ennuient un petit peu, donc où ils ronronnent quoi en fait. D'accord. Voilà. Donc ils sont très heureux de rester en Bretagne, il y a une zone dynamique. Ah, ouais, et moi par exemple, comme j'ai proposé l'hébergement, j'ai été contactée, comme j'ai mis sur mes propositions, hébergement, j'ai une personne d'Annecy qui m'a contactée, qui veut venir marcher à Compiègne. D'accord, ouais, super. Oui. C'est vraiment très intéressant. Et c'est ça que je remarque aussi, alors on va revenir au partenaire parce que c'est vraiment important, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est que la corderie aussi, alors dans l'économie collaborative de partage et sociale et solidaire, il y a beaucoup d'associations qui ont des spécificités propres. Tout à l'heure, on parlait des marcheurs, juste avant de commencer la vidéo, des coureurs. Des coureurs, oui. Donc il y a une association que pour les coureurs, pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils soient en groupe lorsqu'ils se déplacent. Il y a aussi des échanges Blablacar qui font des échanges de covoiturage, mais c'est spécialisé que là-dedans. Et des échanges aussi, des associations aussi qui font aussi des échanges de domicile aussi, ou alors qui font des... Enfin, comme là, vous venez de raconter, vous venez d'expliquer Anne-Marie. Donc, c'est vraiment spécialisé. Et là, la corderie, ça regroupe... Ça regroupe. Et je trouve ça vraiment... Alors, je vais encore inventer un peu la corderie, mais là, franchement, moi, je trouve ça vraiment génial. Ça regroupe tous ces domaines-là. Et du coup, ça fait pas un peu de concurrence aux autres associations Alors, comment vous arrivez à vous placer On peut se poser la question, effectivement, sur... d'autres associations qui permettent aux gens d'échanger des services ou d'échanger des compétences. Pour le coup, comme tu le disais, à la corderie, on va de 0 à 365 degrés en termes de type d'échange. Tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Donc, on n'est pas spécialisé sur un type d'échange ou de service ou un type d'échange de savoir. Donc, ça peut être une aide pour un déménagement, prêter un camion, par exemple. Là, on a deux accordeurs qui propose ça. Donc après, le principe, effectivement, à la corderie, il y a quand même des règles, il y a deux règles en fait principales et qui sont strictes et qui sont auxquelles on tient, c'est que ça doit rester de l'échange de services. Donc si c'est un cours par exemple ou quelqu'un qui va aider pour du soutien scolaire, faut pas que ça devienne récurrent et que ça marche sur les plates-bandes clairement de sociétés comme qui font des cours à titre privé comme Acadomia ou d'autres structures, les petits bilans ou ce genre de choses. C'est vraiment un échange ponctuel. Alors, échange ponctuel qui peut être récurrent, certes, mais voilà, ça doit rester du ponctuel et sur un besoin spécifique. Et l'autre règle, c'est que les adhérents ne peuvent pas échanger en fait de services qui soient liés à une compétence qu'ils exercent par ailleurs et pour laquelle ils sont rémunérés. Donc je donne un exemple, un maçon, il ne faudrait pas qu'il se mette à échanger avec un autre accordeur sur la construction d'un mur ou quelque chose d'assez important en termes de chantier, tout bêtement parce que il faut qu'on cadre les choses et qu'on ne soit pas taxé en fait de favoriser le travail au noir ou la concurrence déloyale. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu logique, mais c'est pas facile quand même. Alors, il y a des questions qui se posent, hein, des fois. On peut avoir un maçon passionné qui veut partager son savoir. Et, C'est ça. Alors là, pour le coup, tout dépend en fait comment est pensé en fait, le service par la personne. Si c'est partager son savoir avec des citoyens lambda et leur apprendre à faire un ciment, voilà. Ça, on peut considérer ça comme de la formation. D'accord. Il ne va pas faire à la place, etc. Donc un plombier ne va pas aller faire un service de plomberie. Pour le coup, voilà, on va éviter ce genre de choses. Donc il y a un cadre quand même qui permet effectivement de sécuriser les échanges au niveau éthique et déontologique. D'accord. Donc c'est bien cadré quoi, vraiment très bien cadré. Il n'y a aucun service non plus qui touche à l'intégrité du corps. Donc ça veut dire tout ce qui est massage en direct sur la personne, c'est pas possible. Donc on a eu le cas donc de quelqu'un qui s'est formé en fait à des techniques de massage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'elle avait envie de partager en fait ses connaissances et elle était en train de se former en plus, donc elle, ça lui faisait plaisir de partager ça. Donc elle a fait une séance, un atelier automassage. Voilà, faut s'adapter. Voilà, on a fait des échauffements, des points d'acupression qu'elle l'a montré en fait, et elle a animé un petit groupe là-dessus, mais elle n'a pas touché en direct en fait les personnes. D'accord.
qui est le problème éthique par rapport à ça et qui est de dérive possible. Quoi. C'est important. Voilà. Alors du coup, j'en reviens donc aux partenaires associatifs. Comment ça fonctionne, comment... Alors là, les premiers partenariats qu'on a mis en place, donc avec une convention bien réfléchie, bien rédigée et visée par les services juridiques, d'ailleurs des autres ONG et associations, c'est parti en fait d'une rencontre sur un forum qui s'appelait « Refuser l'isolement, agir ensemble ». Donc, en fait, il y a eu un constat en fait, qui a été fait dans d'autres associations, qui était le constat des adhérents propres de ces associations-là, qui disaient « mais nous, on aimerait bien ne pas être tout le temps entre nous et faire des choses avec d'autres gens, de sortir en fait, du propre cocon dans lequel on est dans notre association ». On a dit ben, pourquoi pas justement agissons ensemble, donc on a repris le slogan à notre compte, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour agir ensemble sur le territoire, lutter contre l'isolement des personnes, au sein même de leur association finalement elles se sentent isolées parfois, donc on a monté un partenariat avec deux associations, une qui s'appelle Coalia, donc qui est une ONG qui œuvre sur les et qui accompagne les gens qui vivent des problématiques liées à l'immigration, donc des demandeurs d'asile, notamment des réfugiés, entre autres, donc qui font de l'hébergement, de l'accompagnement administratif et social, dans Compiègne. Et puis une autre association qui s'appelle le GEM, G-E-M, le groupe d'entraide mutuelle de Marny, qui est un des nombreux groupes d'entraide mutuelle de France, il y en a 400 en France. Et eux, le public à qui ils destinent leurs activités socio-culturelles, sont des publics qui souffrent d'isolement lié à une problématique psychique. Et donc, en fait, clairement, on s'est retrouvés, en fait, ça a été un constat, mais une évidence, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à la corderie avec des gens de ces associations-là, qui venaient adhérer aussi à la nôtre. Parce qu'en fait, ils cherchaient en fait, à décloisonner un petit peu leurs activités en propre, en interne, et ils avaient envie de partager avec d'autres associations. Mmh. Donc du coup, ben, le partenariat consiste à surtout mutualiser en fait, un certain nombre de moyens techniques, alors mise à disposition de salles, par exemple. Au GEM, donc Anne-Marie, on est à son deuxième atelier lecture, hein, lecture au pluriel, qu'elle anime donc une fois par mois. Super. Donc on est accueillis au sein du groupe d'entraide mutuelle. Donc ça permet à des gens du groupe d'entraide mutuelle aussi de participer, de, voilà, de se dire très très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça, un groupe de lecture, je vais aller voir, c'est fou, hein. Voilà. Et puis nous en échange, à la fois on partage, on a une obligation de communication mutuelle, ne serait-ce que ça. Donc voilà, je fais la pub pour le groupe d'entraide mutuelle et Coalia. On va faire des ateliers aussi cuisine de temps en temps avec des enfants de personnes donc, qui sont hébergées chez Coalia. Donc on y est allé une fois pour l'instant. On aimerait bien que ça se reproduise. Il y a eu des ateliers yoga également qui étaient initiés en fait au sein de Coalia et qu'ils ont partagé avec nous. Ils nous ont dit bon bah voilà, on a un atelier yoga, est-ce que vous avez des accordeurs intéressés, parce que bah, ça permet à nos résidents en fait de rencontrer d'autres gens, et inversement vous d'avoir des cours de yoga, voilà, l'échange, et puis de rencontrer plusieurs mois des personnes issues de migration, oui c'est ça, qui rencontrent des difficultés que nous n'avons pas. C'est vraiment ce qu'on remarque en fait, c'est des gens qui ne se seraient pas rencontrés naturellement. Ou se serait rencontré dans la rue, Pas parlé, ou dans une situation qui ne serait pas propice du tout à rompre en fait ces barrières qu'il y a entre différentes catégories sociales. Enfin, j'aime pas dire ça, mais malheureusement, ça existe. Hein. Et c'est vrai que l'association d'accorderie permet vraiment, je trouverais ça encore mieux, vraiment super. Ça lève les clivages, en fait, entre les gens. Comme il n'y a pas d'attente, en fait, il n'y a pas d'attente en retour d'un échange financier. Voilà. Je pense que ça positionne en fait les personnes de fait dans un niveau de relation en fait et d'interaction avec l'autre qui est différent de d'habitude. Je sais pas moi, quand vous allez chez un coiffeur, vous allez payer une prestation. Là, si jamais il y a une dame d'ailleurs qui est une ancienne coiffeuse qui est à la retraite, qui a dit voilà, ponctuellement je peux rendre service sur un coiffage. La relation est complètement différente. Donc, de là à dire qu'elle est biaisée quand il y a un échange d'argent, c'est peut-être un peu fort, mais en l'occurrence, quand même, je pense que psychologiquement. Peut-être plus saine. C'est vraiment différent. Mm-hmm. La position, en fait, d'attente vis-à-vis de la personne qui rend le service n'est pas du tout la même. Donc, ça établit en fait une confiance naturelle qui, du coup, lève les barrières. Quoi. C'est magique. Ah ouais, c'est franchement magnifique.
Franchement, c'est une belle association. Hein. On espère. Oui. Alors du coup, Anne-Marie, ça vous apporte beaucoup personnellement? Oui, parce que ça me fait rencontrer surtout, moi j'ai quand même j'ai 70 ans, je suis retraitée, et ça me fait rencontrer des jeunes. Voilà. C'est mon bain de jouvence, la corgerie. Parce que sinon, je rencontre beaucoup de personnes de mon âge, et qui sont malades en plus. J'accompagne beaucoup de personnes malades, là, surtout en ce moment. Donc, ça me donne la pêche quand même. Ça me permet de, et puis d'échanger avec des jeunes. Ça aussi maintient aussi une forme de morale, hein, de garder un optimisme, de voir s'ouvrir sur la vie. Magnifique. Vous voyez, intéressant. Donc, on peut tous attracter de changements, et déjà rien pour soi-même, déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'atelier de gestion du stress. Il suffit d'avoir. C'est clair. Participer. C'est ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer à travers cette vidéo. C'est que. Participer à l'atelier chant. Il y a plein de choses demain. Qui existent. Ah, oui, voilà. C'est tonique, l'atelier chant, voilà. Est très tonique. C'est vraiment super, franchement. Et l'atelier chant, ça va de demain 8 ans à. De 70 ans. Ah, magnifique. L'atelier c'est peinture beau. De 4 ans, puisqu'on a un petit de 4 ans. Ouais, à 70. À 70. Ah ouais, c'est génial. Franchement, mais c'est tu beau. N'es pas là. Oh, il dépend bien, hein, il dépend bien, le petit gars de 4 ans. Il reste concentré c'est super, pendant 2 heures. Un futur président de la corderie. Mais on espère ouais. Qu'à travers ces initiatives, ouais. Effectivement, bah, on transmette aussi quelque chose aux jeunes, en fait. Aux futures générations, aux générations qui sont déjà là, mais qui vont grandir et qui vont donner du sens et qui vont imaginer, ça va se déployer vraiment au niveau national, international. Déjà, c'est une association internationale, hein, déjà francophone en tout cas. Francophone. Donc ouais. C'est déjà super, et je pense qu'il existe aussi dans d'autres pays de ce genre d'associations. Aux États-Unis, il y a pas mal de choses qui existent. Alors ça, aussi. C'est une question qu'on m'a posée dernièrement et je peux pas y répondre. Donc il va falloir que je potasse. Mais j'avais fait des recherches, il y a déjà si pas mal de choses qui existent aux États-Unis aussi. Que Québec et que la France, ouais. Ou pas. Peut-être pas de la même forme exacte, mais il y a des avec choses. Avec le label qui accorderie, je pense que. Non, peut-être pas la France. Il y a que la France. Mais il existe des formes comme ça qui existent. Et alors, du coup, alors maintenant je vais faire un peu le méchant, c'est que quelque part la corderie c'est bien, mais on voit quand même que la finance quand même récupérait des associations, enfin c'était pas des associations, mais c'était quand même des initiatives citoyennes qui étaient au début louables, comme Blablacar, comme Uber, et puis qui tout doucement ont été repris par la finance, et aujourd'hui elles sont complètement, on voit les problèmes qu'il y a, les problèmes de conditions de travail qu'il peut y avoir aujourd'hui, et donc est-ce que tu n'as pas peur que la corderie puisse aussi être récupérée un petit peu par la finance, quelque part arriver à un moment où d'autres associations de ce style-là, enfin d'autres initiatives citoyennes de ce style-là A priori non. Je dirais non comme ça à chaud, parce que comme il n'y a pas d'échange monétaire entre les personnes, c'est la grande force en fait de l'association. C'est le principe de gratuité étant total à la corderie. Quand on adhère, d'ailleurs on insiste là-dessus, on ne veut pas brouiller le message, il n'y a aucune cotisation qui est demandée. Donc je pense que ce risque-là est moins important que sur des structures comme Uber ou Blablacar. Où il y a des échanges, Airbnb. Des transactions d'argent. Ouais, où il y a des transactions d'argent, malheureusement, et du coup, effectivement, une taxation par l'État derrière, etc. Des statuts de salariats qui posent des problèmes, effectivement, parce qu'elles sont hors circuit, que ce soit les auto-entrepreneurs ou les personnes qui se retrouvent conducteurs de chez Uber n'ont pas les mêmes accès à la protection sociale, puisque c'est hors cadre de ce qui existe, et le cadre est à construire. Donc, en fait, on est dans une zone un peu... une zone franche là où effectivement les choses sont pas bien cadrées. Non, pas du tout. C'est un système économique qui est vraiment assez nouveau. Et ça commence à devenir problématique effectivement pour les gens qui travaillent et sous d'autres formes de statut que les statuts habituels. Et c'est vrai que pour avoir fait des recherches, pour m'intéresser à ces initiatives là depuis plusieurs années, notamment aux États-Unis, il y en a pas mal aussi qui existent, dont Détroit, une grande ville, tu connais un petit peu. Il y a beaucoup d'associations qui n'ont aucun but, où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent, et elles fonctionnent très bien. C'est vraiment celle qui perdure le plus. En tout cas, de ma propre vision, mes propres recherches, c'est un petit peu ce que je vois. Hein. Vraiment, ce qui fonctionne le mieux et qui reste vraiment bien assis, qui, dans le temps et à long terme, c'est vraiment celle-ci, quoi, en fait. Hein. Et dès l'instant qu'il y a un peu de transaction d'argent, qu'il y a du succès en plus, c'est toujours récupéré quelque part par la finance. Et c'est un peu dommage. Donc, du coup, je me pose la question, c'est quel est l'avenir, en fait, de l'économie sociale et solidaire, et
Parce qu'on voit vraiment quand même qu'il y a une différence entre l'économie collaborative et de partage, puisqu'il y a beaucoup de choses hein, qui existent, mm-hmm. beaucoup de structures, beaucoup de... Parce qu'il y a aussi... parce que l'économie sociale et solidaire, ça touche un peu tous les domaines. Mm-hmm. Ça touche l'éducation, mm-hmm. ça touche beaucoup de domaines encore comme ça. Et quel est en fait l'avenir en fait de... Est-ce que ça va prendre une dimension plus grande? Est-ce que ça va se développer ou alors est-ce que ça va stagner, voire même peut-être infléchir? S'infléchir, je ne pense pas. Après, je ne suis pas une grande spécialiste économique pour répondre précisément, mais... Justement, mais comme tu es sociologue, au niveau des besoins de la société, parce que ça répond à un besoin de la société oui, quand même. Ça répond je clairement pense que à un besoin. L'accord de Ré, elle s'est faite parce qu'il y a, elle s'est créée parce qu'il y a un besoin... Une recherche de sens. La crise, les crises qu'on a vécues, ouais. économiques qu'on a vécues... À la fois une recherche de sens... À Détroit, sens, c'est ça qui s'est passé fait, un petit peu, hein, et je pense que tout vient de là, hein, à la base. Hein. Il y a deux choses, il y a la recherche de sens dans ce qu'on fait, voilà. De solidarité, donc de moyen de s'investir en fait solidairement là où on vit. Et puis, il y a aussi le fait que, économiquement parlant, les gens souffrent de la crise de plein fouet et peuvent, via un système comme l'accorderie, accéder à des services auxquels ils ne pourraient pas clairement avoir accès. Ça peut permettre à quelqu'un de s'essayer à la peinture, mm-hmm. De manière régulière ou non, par rapport à nos ateliers qui ont lieu une fois toutes les deux semaines, sans pour autant être redevable d'une somme d'argent. Donc ça, c'est quand même important. Alors, est-ce que ça va se développer C'était là, en fait, ma question de l'avenir, c'est que du coup, elle crée quand même une certaine si. Concurrence par rapport à des entreprises de services ou des grosses entreprises même. Même des associations. Est-ce que dans l'avenir, il n'y aura pas des freins Alors ça... Actuellement, déjà, est-ce que tu en vois? Non. Donc, pas du tout. Enfin, au niveau de l'accorderie, j'en vois pas. Alors peut-être que je suis un peu trop en zoom avant sur le système accorderie. Oui. Il n'y en a pas, parce que c'est quand même relativement bordé, je pense, pour qu'on ne soit pas taxé de faire de la concurrence. D'accord. Je donne un exemple au Beaux-Arts de Compiègne, mmh. qui est une association aussi, et qui donne des cours à un niveau plus élevé et de manière plus récurrente. Et ils ont une offre en fait, de services qui est beaucoup plus étudiée quoi, et très précise. Nous, c'est quelque chose de ponctuel, qui revient effectivement toutes les deux semaines, mais on n'offre pas tout ce que peut offrir... que peuvent offrir pardon, les Beaux-Arts de Compiègne. Donc, clairement, on n'est pas concurrent direct. Donc, ça se situe à un autre niveau, je pense, d'échange et de partage. Parce que, imaginons que l'accorderie va prendre vraiment une proportion nationale encore plus grande. Non, mais là, je pousse un peu le bouchon. On peut rêver. C'est ça, un petit peu. Mais non, mais au Québec, oui. Tu me dis que rien qu'au Québec, il y en a une centaine. C'est énorme, quoi. C'est ça, une centaine, je ne me trompe pas. C'est énorme sur un si petit territoire. Oui. Ça peut aussi gêner aussi. Oui. En plus, il n'y a pas que l'accorderie au Québec. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes comme celle-ci. Il y en a énormément. Bon, apparemment, ça ne gêne pas parce qu'ils arrivent à cohabiter. Après, on peut aussi dire peut-être que la finance peut peut-être s'adapter aussi. Après, ça reste quand même à des niveaux, on va dire, et des tailles d'échanges qui sont petites. C'est-à-dire que même si il y a 100 accorderies qui, sur une année, vont rendre des services à plusieurs personnes sur des déménagements, l'échelle, on va dire, de déploiement de ce type de service, clairement, je pense, pour l'instant, ne peut pas concurrencer voilà. des déménageurs locaux. D'accord. Comme Pinel et autres. Puis bon, c'est un professionnalisme que l'association n'aura jamais aussi. Nous, on reste quand même à des niveaux de services qui sont de type amicaux. Voilà. Et, d'accord, local aussi. Ça, on n'est pas outillé avec. Donc, on ne sera pas des professionnels. C'est important de le dire parce que du coup, ça nous permet de voir un peu on la n'est différence. On n'est pas des professionnels du déménagement. Donc, lorsqu'on rend un service. Si les professionnels qui nous voient, c'est ça. Voilà, c'est important de le souligner. Donc, on n'a pas les emballages qu'il faut, par exemple, pour les verres, pour les assiettes. Si jamais il y a une casse ou quoi, alors on borde les choses aussi. On est dans le cadre d'un échange de services amical et social. Donc on ne peut pas se retourner contre nous et voilà, on n'est pas des professionnels du déménagement. Clairement, on se rend service les uns les autres. Donc après, à chacun, effectivement. Parce que de toute façon, moi, quand chaque fois j'ai déménagé, c'était toujours quelqu'un des membres de ma famille qui m'a donné et qui m'a mis dans une animale, c'est mon beau-frère, etc. C'est la même chose. Donc, que pour éviter de payer un déménageur. J'en ai pris une fois, il m'avait cassé un meuble. Donc, et avec mes beaux-frères, il n'y a jamais eu de casse. Donc, c'est dans cet esprit-là. Hein. Et puis, pareil, si jamais on a une demande de service qui dépasse en termes de taille, et de travail qui dépasse celle de la taille d'un service, c'est-à-dire si quelqu'un nous demande de déménager son appart
de 200 mètres carrés avec 75 mètres cubes, etc., on dira clairement non. Parce que logistiquement parlant, il faudrait... On a déjà eu le cas d'ailleurs une fois. Oui, on a eu le cas, effectivement. Une demande de service qui n'était pas du tout raccord, qui dépassait en fait les compétences des accordeurs, qui pouvait mettre en danger la sécurité des gentils accordeurs, etc. Et là, justement, bah, le boulot que je fais et que Sarah... et Marilyn font avec moi au sein de la, enfin, en termes d'animation et de coordination, c'est de cadrer justement pour pas qu'il y ait de débordement effectivement et qu'on n'ait pas des gens. C'est arrivé une ou deux fois, donc sur 111 adhérents pour l'instant ça reste vraiment très minime. C'est arrivé plusieurs fois que des personnes confondent et pensent que bah voilà, on est des couturiers, on va leur faire des choses des déménagements ou des installations de chaudières par exemple, parce que bah, la personne n'avait peut-être pas de sous, c'est vrai, mais elle demandait un service qui n'était pas de l'ordre du service, quoi. C'était pas possible d'exécuter ce genre d'échange, quoi. C'était trop important, quoi. Voilà. Donc dans ces cas-là, on renvoie au cadre. C'est comme tout, il faut avoir ses limites, c'est ça, connaître voilà. Ses propres limites, c'est ça. Non, mais c'est important. C'est ça. Alors du coup, la question maintenant que je me pose, est-ce que tu penses que... alors, je ne parle pas de l'accorderie, mais l'accorderie aussi. Hein, même, penses-tu que l'économie sociale et solidaire, et l'accorderie aussi, transforme le monde, en fait, transforme la société? Ben, j'espère bien. Ouais, c'est un peu le but. Oui, et puis, alors moi, je suis de nature plutôt optimiste et joyeuse. Et je me dis, si jamais ce qu'on fait là n'a pas de sens, ben, où va-t-on, quoi? Après, d'aucuns pourraient penser l'inverse, mais je pense que ça transforme profondément les personnes qui y participent. D'ailleurs, à leur insu, quelquefois, parce que moi, les gens qui ne connaissent pas l'accorderie, qui n'ont pas la représentation que j'ai moi, forcément, parce qu'ils viennent d'y arriver, ne s'imaginent pas en fait à quel point ça va les impacter. Et moi, ce que j'adore, c'est de voir justement le moment où ils découvrent, en fait, ils commencent à comprendre ce qui va se passer. Et ils disent « Ah oui, ça va jusque-là, en fait. » Tu vois des gens changer, se transformer? Oui, oui, oui. Positivement, bien oui, sûr. Oui, on le sent. On sent l'impact que ça a psychologiquement, socialement, sur les personnes. C'est super. Donc, que ce soit des petits jeunes, des moins jeunes, des femmes seules, des hommes. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait notre nombre d'adhérents hommes masculin donc qui augmente, on est à 32% au jour d'aujourd'hui, donc le 1er décembre. 32% d'hommes et le reste sont des femmes, donc il y a un investissement aussi et une envie en fait de partager, quoi, qui est commune. Super. Voilà. Et vous, Anne-Marie, alors, est-ce que ça vous a transformé quelque part, ça vous a changé un petit peu? Apparemment, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que oui, mais maintenant... Je sais pas si ça m'a changé, mais... Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui, en tout cas? Oui, ça m'a donné beaucoup plus d'optimisme. Moi, je suis très confiante en la jeunesse, et j'aime beaucoup la jeunesse. Et c'est vrai que je trouve que c'est tonique, c'est joyeux... on se prend pas la tête et ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait beaucoup de bien et puis bah c'est sympa de partager comme ça, de rencontrer des gens de tous niveaux, de toutes les valeurs, de différents âges. C'est une mixité qui me plaît bien, Une grande richesse. C'est une grande richesse, oui. Alors, comme quoi ça ne se mesure pas qu'à l'argent. Et ce qui compte, c'est vraiment la richesse intérieure et puis l'échange à travers les autres aussi. Oh, bah, c'est magnifique. C'est tout simple, c'est fait dans la simplicité, en plus, la générosité, le don, quoi, le partage. Et c'est ça qui est la valeur essentielle. Est-ce que vous pensez que vous transformez la société à votre niveau? Dans nos petits coins, oui, on arrive, et puis voilà. Ça va faire... effet boule de neige. Ça va. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est deux magnifiques témoignages. Donc la vidéo arrive à la fin.
Donc j'espère que vous avez pris vraiment la mesure de ce que pouvait apporter l'économie sociale et solidaire, enfin toutes les initiatives citoyennes et collaboratives, de coopération, et ce que ça peut apporter aussi au niveau individuel, au niveau de notre propre vie. Donc vous voyez, donc on a eu Anne-Marie qui nous apporte un très très beau témoignage. Au niveau sociétal aussi, on voit au niveau social et sociétal, on voit aussi que ça apporte un témoignage vraiment, une richesse aussi qui est énorme, qui a un impact aussi sur la société, qui est vraiment plus qui va transformer, qui transforme même actuellement. Hein, on en est vraiment au début, je pense, de tout ça. Hein, je pense qu'on démarre à peine. Hein, c'est vraiment le tout début. Et la crise qu'on vit actuellement, qui est aussi des crises intérieures, un petit peu, je pense, c'est mon propre avis. Hein, on vit tous une crise intérieure en ce moment identitaire. Hein, et voilà, une grosse remise en question. Je pense qu'elle favorise toutes ces initiatives. Et justement, parce qu'elles sont portées. Elles portent des valeurs vraiment importantes et à long terme, elles vont vraiment changer notre société et donc notre vie aussi. Donc moi maintenant, je vous invite à faire comme Anne-Marie, à vous engager dans des associations, des accorderies, de n'avoir sûrement près de chez vous, même des associations aussi simples et aussi diverses qu'il peut y avoir. Donc soyez acteurs de votre changement. Il faut y aller maintenant, on en a vraiment besoin, on vit vraiment à une époque vraiment très difficile et il est vraiment temps maintenant de passer à l'action, comme vous faites. Acteur de sa vie et de la vie. Voilà, et de la vie. Mmh. Voilà. Donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, j'ai vraiment besoin de savoir si vous l'avez aimé. Donc cliquez sur le petit bouton j'aime en dessous si vous l'avez aimé, qui se trouve en dessous de la vidéo. Ensuite, mettez-moi un petit commentaire aussi, ça serait très sympathique. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Et merci. Hein. Merci à toi. Merci.